Port-Louis est actuellement une petite cité maritime à l'embouchure de la rade de l'Orient sur la rive gauche du Blavet. Sa vie est rythmée par l'activité de son port, les vieux gréements, les voiliers à quai qui attendent de nouvelles aventures, les coques qui se mirent dans le bassin à flot, les allées et venues des vedettes entre Port-Louis, le quai de la Pointe, et Lorient, la rue du bout du monde. Port-Louis, c'est également le marché, les pâtisseries, les fruits de mer, les étals, ordonnancements multicolores. Port-Louis, c'est encore les promenades, le long des remparts, autour de la citadelle, la grande plage, ouverte sur l'océan. Port-Louis, c'est enfin le glissement des navires qui vont et viennent, qui se croisent dans la rade ou qui prennent le large. Mais à quoi pouvait bien ressembler ce lieu que Jean de Léry, de retour d'Amérique du Sud, décrit ainsi le 26 mai 1558. Nous entrâmes dans le beau et spacieux havre du Blavet au pays de Bretagne. À ce havre arrivait alors un grand nombre de vaisseaux de guerre. Ceux-ci, revenant de voyager en divers pays, tiraient des coups d'artillerie, faisaient les bravades accoutumées en entrant dans un port de mer et se réjouissaient de leur victoire. L'emprise de l'Orient et la disparition de la marine à voile de travail ont modifié le visage de ce port, qui fut jadis un des plus grands foyers maritimes de la côte atlantique. Ce havre, car c'est ainsi qu'il se nomme sur cette carte de la fin du XVIe siècle, la déclaration du havre de Blavet, ce havre a son histoire, une histoire qui trouve son apogée au milieu du XVIIIe siècle. Pour se situer dans l'espace et dans le temps, quelques cartes anciennes et quelques rappels historiques ne sont pas inutiles. Commençons par des cartes. Notre lieu est une cité maritime. Voici une carte de navigation dite carte Portulan de 1511. Carte utilisée du XIIIe au XVIIIe siècle pour repérer les ports et les abris. Rapprochons-nous. Avec cette carte de l'Europe et de la Méditerranée en 1563. Cette carte de France de 1636. Cette carte du duché de Bretagne à la même époque. Plus précisément, cette carte marine hollandaise de 1583, Blavet est à l'extrême gauche, le chenal est renseigné avec les saules ainsi que les rades intérieures, le bourg est à l'entrée bien détaillé avec gare et sa petite mer. Ou cette carte des côtes de Bretagne Sud de 1640. Là, Blavet est à l'extrême droite, en face de l'île de Groix, le havre Blavet, ses deux rivières, le Scorff à gauche qui mène à Pont-Scorff, le Blavet à droite qui mène à Hennebont et joint la passe. Nous sommes situés. Voyons maintenant brièvement ce qu'il en est de l'histoire. Commençons par une première période. Dans l'Antiquité, le pays est occupé par les Romains. Ils ont occupé l'embouchure du Blavet. Des vestiges, des monnaies, des tuiles, des poteries témoignent de leur présence. Le lieu se nomme alors Blavia. Au début du Moyen-Âge, les Vikings sont présents en Bretagne. Ils passent et circulent
entre Groix, le Blavet et le Scorff. Au milieu du Moyen-Âge, un petit bourg, Locpéran, notre futur Blavet, à l'embouchure du Havre, commence à jouer un rôle important. Il centralise le trafic local entre les petits ports du littoral et il assure les échanges commerciaux avec le port d'Ennebon, ville forte située plus en amont du Blavet, au fond de l'estuaire. Au fil du temps, le Havre s'anime. Au-delà du commerce local, dès le XVe siècle, le lieu est très fréquenté par des navires de l'Atlantique et de la mer du Nord. Des liaisons s'établissent avec Bordeaux, l'Irlande, l'Angleterre et les Flandres. Indice de cette attractivité, le 19 décembre 1478, un navire anglais venant du Portugal s'échoue à l'entrée du Havre, sur l'une des trois pierres déserrantes. Une enquête judiciaire est menée. Elle donne une idée de l'importance de l'activité. Selon les témoins, 20 à 60 navires sont au mouillage ce jour-là. Au XVIe siècle, le village, qui s'étend le long de la Grève, à l'abri des vents, prend le nom de Blavet. Des chantiers navals s'installent au fond de l'anse du Driasker. La cité et le Havre prenant de l'importance, l'impératif de défendre l'endroit se profile. En l'année 1486 déjà, un premier projet de fortification s'était esquissé. Le duc de Bretagne, François II, avait envoyé deux émissaires dans la ville pour étudier l'affaire. Voilà ce qu'ils écrivaient. Il est nécessaire pour le service du duc, pour le profit de ses sujets, pour la beauté du Havre et la sûreté des marchands, d'édifier promptement une tour à la pointe de la presqu'île et d'y tenir du canon. Mais, le duc étant mort, le projet avait été mis en sommeil. Une centaine d'années plus tard, en 1590, la cité est prise d'assaut par les Ligueurs. Elle est incendiée, puis livrée aux Espagnols. Ce que le duché ne put faire, les Espagnols le font. Ils fortifient aussitôt le site, ils construisent le fort de l'Aigle à l'extrémité de la presqu'île. Le plan espagnol le précise. L'agglomération de Blavet, située en bas du plan, est toute ruinée et rasée. Une partie des pierres de taille des maisons de Blavet est utilisée pour construire les deux bastions du fort. Pendant la période espagnole, le fort est agrandi. En 1598, 8 ans après leur arrivée, la paix étant revenue, les Espagnols s'en vont. La citadelle est partiellement démolie. Pour être agrandie et améliorée, jusqu'à ce qu'elle prenne sa forme actuelle. 20 ans après le départ des Espagnols, Blavet est reconstruite. Surtout, le 17 juillet 1618, au nom du roi Louis XIII, Blavet devient Port-Louis. Ce sera désormais le nom de la ville. Port-Louis. Le lieu prend de l'importance. Port-Louis prospère car le commerce y est bien protégé. D'autant que, depuis le début du XVIIe siècle, la marine royale vient faire relâche dans cette rade, défendue en son entrée par la citadelle. Entre 1649 et 1653, l'enceinte urbaine est réalisée. Elle fait le tour de la ville, y compris le long de la rue de la Pointe jusqu'au bastion Saint-Pierre. 15 années plus tard, en 1664,
la Compagnie des Indes est créée. Mais, faute de terrain favorable, son chantier s'installe au confluent du Scorff et du Blavet. Le Soleil d'Orient, premier navire construit par la Compagnie des Indes, donnera son nom à la ville naissante, l'Orient. Qu'importe ? Le cabotage, la pêche, l'avitaillement des navires du roi et de ceux de la Compagnie des Indes font la fortune de Port-Louis. En 1765, la cité compte 356 maisons dans la ville close et la population atteint plus de 2500 âmes. 1765, c'est l'apogée de la cité. À ce stade, justement, une question se pose. Vers 1765, au-delà des cartes et des quelques iconographies disponibles, à quoi donc pouvait ressembler alors cette cité florissante que le cartographe qualifie ici de ville considérable? Pour voir à quoi pouvait ressembler Port-Louis vers 1765, il faut d'abord en retrouver des traces. Faire un travail d'historien, autrement dit, plonger dans les archives. Mais pas seulement. Un travail d'architecte et d'urbaniste aussi, qui soit en mesure de comprendre ce qu'il y trouve pour donner justement la mesure du lieu et en faire le portrait. C'est ce qu'a fait Gérard Dieul, architecte, urbaniste et historien de Port-Louis. Il a accompli cet immense travail de recherche, puis il a dessiné la ville. Avant de voir son œuvre, comprendre son travail dans les archives s'impose. À l'exception de quelques vues, de quelques plans, l'iconographie ancienne figurant Port-Louis est rare. Par contre, les documents écrits sont nombreux et ont fourni à Henri-François Buffet, archiviste en chef de Bretagne, la matière de trois principaux ouvrages publiés en 1938, 1962, 1972. L'apport de ces travaux est d'une grande richesse, mais faute d'illustrations en nombre suffisant, ils ne permettent guère de se représenter l'image complexe de la cité. Pour réaliser le portrait de Port-Louis, il fallait trouver, analyser, synthétiser des documents épars, des descriptions exhaustives ou analytiques, des traces architecturales. Il fallait, avant tout, un plan cadastral le plus complet et le plus précis possible. Gérard Dieul choisit le plan cadastral dit napoléonien de 1837. Parce qu'il est le plus ancien, qu'il est précis et complet, et parce que les modifications intervenues entre les deux périodes sont facilement identifiables. Ce plan cadastral devint son plan directeur. Encore fallait-il connaître ce qu'il en était des constructions et des bâtiments. Si un plan cadastral représente l'ensemble des parcelles numérotées, avec, en rose, là où sont les parties bâties, il ne donne par contre aucun détail sur ce qui est construit dessus. Pour le savoir, Gérard Dieul a utilisé le papier terrier royal imposé par Louis XIV en 1679. Dans celui-ci, chaque propriétaire devait déclarer devant les notaires royaux la propriété, la situer, préciser les dimensions, parfois la couverture. Une mine d'informations qui se révéla essentielle. Gérard Dieul fit l'inventaire du document. Il analysa chaque parcelle en détail pour en extraire les informations précieuses. Plus de 650 feuillets comme celui-ci.
information patiemment reportée sur le plan cadastral. Parallèlement, les archives du génie militaire fournirent nombre de plans, de coupes, de dessins des remparts et des maisons qui y étaient incorporées. Au-delà, Gérard Dieul analysa des photographies anciennes de la cité et de ses maisons. Il étudia des cartes postales, enfin mettre en poche appareil photo et carnet de notes en main, Gérard Dieul a parcouru la ville pour étudier la succession des époques, l'évolution des formes et celle des matériaux. De quoi élaborer une typologie des constructions, un article dans la revue du Chasse-Marée et un ouvrage consacré à l'architecture de la cité. Par la suite, pour Louis étant une cité maritime, il ne pouvait y avoir de portrait sans bateau. Pour appréhender la grande variété des navires susceptibles de faire escale à Port-Louis, Gérard Dieul a eu recours à un grand nombre de sources, en particulier les représentations de navires de Nicolas Ozanne, dessinateur de marine, les ouvrages de Jean Boudriot, architecte naval et historien, dont les quatre volumes de son traité de l'art naval au XVIIIe siècle. Dans son travail de recherche historique, Gérard Dieul a finalement rassemblé des documents en nombre, documents qu'il a analysés et annotés, recoupés, comparés, arbitrés, réalisant une multitude d'esquisses, de croquis intermédiaires, de coupes, pour vérifier sa compréhension du site et assurer une spéculation réduite au minimum. Une fois cet immense travail d'analyse historique achevé, Gérard Dieul pouvait alors entreprendre le portrait de Port-Louis. Partant d'un plan général de la cité, sur lequel il appliquerait le plan cadastral, c'est avec une vue de l'intérieur du Havre qu'il représenterait la ville, sa silhouette et sa banlieue, sur une longueur d'environ 1100 mètres, en vue géométrale, des vues strictement perpendiculaires aux parties concernées. Mais, étant donné l'ampleur du projet et le format de la planche à dessin, un découpage s'imposa. Pour avoir un ensemble homogène en plan et en élévation, et pour pouvoir montrer les détails et la vie de la cité, Gérard Dieul entreprit de réaliser l'ensemble en 6 segments de 1,20 m de long chacun à l'échelle 1/200. Les 6 segments permettraient ainsi d'illustrer les particularités spécifiques et certaines uniques de Port-Louis. Une planche supplémentaire, une coupe, fut réalisée pour permettre de comprendre la relation entre les maisons des négociants de la ville et la grève des chouages, les circulations entre la grève et les sous-sols de la cité. Dès lors, pour accomplir ce travail, base documentaire mobilisée au fil de la progression, Gérard Dieul a esquissé chaque planche sur calque, d'abord au crayon, plan par plan, de gauche à droite ici, du plus proche la grève, au plus lointain les derniers toits, bâtiment par bâtiment, successivement, jusqu'à la dernière maison, jusqu'au dernier plan visible. Détail d'activité après détail d'activité, sur l'eau, sur la rive, sur la grève, aux portes d'accès à la cité. Sans oublier la végétation qui agrémente les lieux. Puis il a finalisé son œuvre au stylo graphos, à l'encre de Chine, dessin en dégradé, proche de la gravure. 2 années de travail plus tard, la frise était achevée. Une vue de Port-Louis
de l'intérieur du Havre Blavet vers 1765, qui va du village de Locmalo à gauche au goulet du Blavet à droite, d'où sont venus les marins. Nous sommes ici dans le chenal du Goulet, devant le flanc nord de la citadelle, citadelle qui appartient au génie militaire. La marine royale s'est réservé une partie de la rade intérieure, près de ce goulet, pour contrôler tout le trafic. Un navire est à l'ancre, une patache, vieux vaisseau servant de batterie basse. Il contrôle la passe et peut arraisonner tout passant si cela est nécessaire. Au-delà de la citadelle, un vaisseau sous ses voiles hautes se profile. Il s'apprête à entrer dans la rade. Un petit caboteur côtier lui cède vite le passage, comme les chaloupes de pêche qui l'ont précédé. L'animation dans le goulet est toujours importante. Au centre, un navire de la marine royale, une frégate. On attend l'équipage, les ordres, pour préparer un départ. Plus à gauche, des soldats traversent le pont qui rejoint le cœur de la citadelle. Nous entrons maintenant dans l'anse du port lourd. Sur la droite, la demi-lune de la citadelle. Au centre, une frégate de la Compagnie des Indes, armée en flûte, est à l'ancre. Il va recevoir son avitaillement. Eau, viande, vivres frais et conserves, ainsi que les passagers, avant de pouvoir appareiller. Au moins jusqu'à la rade de Groix, où il faut souvent attendre que le vent d'Inde soit favorable. Une yole est accostée à son bord afin de mener un officier de la marine à la compagnie à Lorient. À gauche, l'extrémité de l'enceinte urbaine, avec la porte de la pointe s'ouvrant sur la petite cale du même nom, seule accostable. Celle-ci reçoit une bisquine. Enfin, sur la grève, d'autres bateaux et des matelots qui s'activent. Voici le quartier Notre-Dame. Les maisons de la moitié des marchands port-louisiens, appelés maintenant négociants, sont alignées le long de la rue de la Pointe, située derrière l'enceinte urbaine. Dans ces murs d'enceinte, les négociants ont été autorisés à ouvrir des portes et à construire derrière des souterrains voûtés sous la rue, jusqu'à la cave de leur demeure. Autorisation accordée, à condition de les faire murer en cas d'alerte. À l'extrême droite, un cas très particulier, la redoute Chéret, avec ses balcons au-dessus de la grève. Les militaires ont établi sur l'emplacement du négociant Chéret une redoute voûtée, ensaillie sur l'enceinte, et ont permis à Jean Chéret de bâtir en échange deux logements au-dessus. Cette disposition déguisait le petit bastion en immeuble civil. Un brick est à l'anse. Il profite de la marée montante pour décharger ses marchandises. Plus à gauche, des petits caboteurs cohabitent avec les chaloupes de pêche, les unes sous voile, les autres à la rame. Les allées et venues qui rythment la vie du peuple. En coupe, la rue de la Pointe, avec ses sous-sols, dévoile ses mystères. Les grands logis des négociants sont à droite, en retrait de l'ancienne falaise. Leurs locaux annexes sont de l'autre côté, au pied de la falaise, ou encastrés dans celle-ci. La cave des maisons est ouverte sur un passage voûté, qui traverse sous la rue jusqu'au mur de l'enceinte. Un compromis s'est ainsi établi entre l'intérêt des commerçants et les impératifs de la défense. Sur la grève, il y a quelques constructions, des presses à sardines ou des magasins. Dans tous les cas, tous deux matériels ne craignant pas l'humidité. Un petit caboteur est échoué sur la grève. Il décharge sa cargaison dans des charrettes
Il est échoué là grâce à son fond relativement plat et parce que sa charge ne dépasse pas une quarantaine de tonneaux. Les tonneaux, justement, on le sait, ils sont en bois. Il en est de toutes sortes, à transborder, à transporter. Ils sont des contenants universels pour tous les liquides, mais aussi pour les solides, les céréales, le sel, les conserves, les légumes et les fruits. C'est pourquoi le tonnage des navires n'est pas compté en poids de déplacement, mais en volume d'encombrement des coques, autrement dit, en tonneaux. Au-delà du quartier Notre-Dame, le centre-ville. Ici commence le front de terre, barre en lisme, allant de l'anse du Driasker à la petite mer de Gare. Le vieux centre comprend, à droite, l'église Notre-Dame de l'Assomption, construite en 1665. Elle est située au point le plus culminant de la presqu'île. Au centre, la rue de la Pointe s'achève, à la hauteur de la poterne nommée Porte du Driasker, Porte Lesker ou Porte Rouge. Sur la grève, près de la porte, un petit groupe de chaloupes creuses de pêcheurs s'est échoué pour vendre la pêche fraîche. À gauche, cinq maisons anciennes couvertes de chaux. Elles ont été construites au XVIe siècle. À l'arrière-plan, l'église Saint-François du couvent des Récollets, construite en 1679. Puis, à gauche, l'église Tréviale Saint-Pierre, construite en 1553. Le front de terre. Cette partie de l'enceinte urbaine traverse l'isle entre le Blavet et la petite mer de Gave. Sur la droite, l'ancien quartier du Driasker, nom qui signifie « ville basse » en breton. Le quartier est coupé de la ville depuis la construction de l'enceinte urbaine. Ses maisons, toutes de type médiéval, sont couvertes les unes de chaume, les autres d'ardoise. Un chantier naval occupe le haut de la grève, mais on ne construit ici que des navires de tonnage modeste, les plus lourds étant construits en amont à l'orient. Au-delà, le grand bastion. Ces terre-pleins non terminés sont la promenade favorite de la population. Les fossés et les glacis sont entretenus par les troupeaux des paysans, vaches et moutons noirs. À l'extrême gauche, on distingue le revers du fronton de la grande porte, entrée principale par voie de terre. À l'intérieur de la ville close, le long de la rue de la grande porte, on devine des maisons d'époque, Louis XIII ou Louis XIV. Elles ont toutes sortes de toitures, des ardoises, des tuiles rondes de Bordeaux. Et il y a encore, près du bastion Saint-Pierre, des petites fermes médiévales couvertes en chaume. Dernier lieu, le village de Locmaleux, l'extrémité des remparts du front de terre. Depuis la construction de l'enceinte urbaine, la fermeture nocturne des portes ne permet pas aux pêcheurs de se loger en ville. En conséquence, la population de Locmaleux est devenue plus importante. Le village comprend près de 300 habitants. Parmi eux, outre les pêcheurs, se trouvent des capitaines au cabotage, des mariniers, des maîtres de barque, quelques négociants de roc pour la pêche et des marchands de poissons. Les pêcheurs sont aussi cultivateurs selon les saisons. Et les jeunes font des matelots à mariner. Au centre du village, la chapelle Sainte-Marguerite. Plus à gauche, la colline nommée Pennerun. Elle protège le village et la grève d'échouage des vents dominants de sud et d'ouest. À l'arrière-plan, le front de terre se termine avec un bastion carré, massif, plongeant dans la mer. Ce bastion, nommé le Papegaud, est destiné à masquer et à protéger la grande porte au cas où l'ennemi aurait pu placer une batterie à Gave. Enfin, longeant les remparts du front de terre, des chaloupes et canots de pêcheurs reviennent avec leurs prises.
Ainsi s'achève notre visite. La cité en imposait aux marins venus de loin. Gageons que cette histoire et cette visite vous auront fait voyager dans l'histoire du Havre de Blavet, dans le Port-Louis, aux alentours de 1765. She's a sick mother waiting for the final break.